Non, je suis un peu chamboulé, là. Chamboulé. Hop, 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 hop. Vous nous aviez caché quelque chose, Gérard? Non. Hein? Ah ben si. Quoi? Non, ça, quoi. Pareil que vous jouez de la guitare? Hein? Ah, c'est votre belle-mère qui nous l'a dit? Ah, alors? C'est un grand joueur de guitare, grand joueur. Il y a longtemps. Soyez pas timide, allez! Allez, Gérard! 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 Oh là là, merci d'avoir retenu ma candidature pour ce stage. Je suis hyper excité, vous pouvez pas savoir. Noble française. Bougez pas, bande de trous du cul, il est où ton patron, connasse? Il nous répond, vas-y, mais je sais pas, mais même si je savais, je vous dirais rien. Mais toi, là, réponds, il est où ton patron? Il m'a dit qu'il arrivait dans une heure, mais qu'avant, il devait s'arrêter à acheter des bonbons. Bravo, Simon, bravo, belle solidarité. Premier jour en entreprise, on balance son boss. Ah oh, l'enculé. Oh, merci. Et le permis? Votre permis? Mais votre permis, on le garde jusqu'à la décision du juge. Et à mon avis, vous n'êtes pas prêt de le revoir. Ou alors, vous avez un bon avocat. Je prendrai le même que Monsieur Consigny. Il paraît que vous l'avez arrêté ce matin. J'ai pas le droit de vous dire ce genre de truc. Mais si. Vous êtes même obligé de m'indiquer où il est et de me donner copie de son PV d'audition. Finalement, en 1797, que la fabrication de la cloche traditionnelle va connaître un changement radical. C'est en effet à cette date que fut coulée la première cloche du bailli. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, sa technique de fabrication est restée presque identique à celle d'aujourd'hui. Incroyable, hein? C'est fou. Excusez-moi, vous savez pas s'il y a des gens qui ont regardé cette affiche? Je bosse pas tout le temps là, moi. Vous avez pas vu des marques d'intérêt ou... Les gens qui sautent de joie, vous voulez dire? Non, non. Putain! Pourquoi il t'appelle? Pourquoi il t'appelle? Pourquoi il t'appelle? Réponds-moi! Tu lui as dit quelque chose? J'ai rien dit! Putain, je me fais chier à te faire une surprise et c'est comme ça que tu me remercies là! Putain, je la prends en plein dans la gueule! Mais tu me fais mal! Parce que tu crois que c'est toi qui vas décider? Tais-toi! Il y a les voisins, putain, tais-toi! Allez, je te laisse, là, j'ai une grosse lecture avec un super comédien, là. Comment il s'appelle, le super comédien, là? Martin Lamotte.